Bonjour, je suis Adeline. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des palets effervescents pour les toilettes. Pour cette recette, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, d'acide citrique, d'huile essentielle, de savon noir, d'un bac à glaçons, de gants et d'une pipette. Dans cette recette, le bicarbonate de soude va permettre de nettoyer les toilettes. L'acide citrique, quant à elle, va permettre de détartrer en profondeur les toilettes et les huiles essentielles vont venir parfumer ou alors désinfecter si vous choisissez par exemple une huile essentielle de titri, d'eucalyptus ou de citron. Et le savon noir permet uniquement d'amalgamer les différentes poudres. Avant de débuter cette recette, mettez un gant. En effet, l'acide citrique peut être irritante, il vaut mieux donc éviter le contact avec les doigts nus. Dans un bol, mélangez le bicarbonate de soude, l'acide citrique, et puis déposer les gouttes d'huile essentielle. Commencez à mélanger avec votre main qui est pourvue du gant. Ensuite, avec la pipette, déposez quelques gouttes de savon noir. Continuez à mélanger et à déposer quelques gouttes de savon noir jusqu'à ce que la préparation commence à s'amalgamer. Pour cela, prenez un petit peu des poudres entre vos doigts, pressez. Quand vous retirez votre pouce, la préparation garde la forme de vos doigts, c'est que c'est bon. Prenez ensuite votre bac à glaçons. Attention, ce bac à glaçons ne devra plus être utilisé pour le contact alimentaire. Dans les différentes alvéoles du bac à glaçons, déposez la préparation et venez tasser avec votre pouce. Quand les alvéoles sont remplies, laissez sécher votre préparation 24 à 48 heures, le temps que les palets WC durcissent. Vous pouvez ensuite les démouler, les mettre dans une boîte hermétique et ils sont prêts à être utilisés pour nettoyer vos toilettes.